Le peloton, blabla en compagnie du 10 et de Valsali, mène au tournant des écuries. Le peloton est très compact. Yaouli 10 suit en quatrième position, accompagné de Tiger à son extérieur, suivi de Théophilo. Ensuite vient le 15, Happy Down, accompagné de Sojmaj. Uri, chnou le kazak, Uri. Uri. Ils sont à 1600 mètres de l'arrivée. Maria Schick emmène toujours le peloton, accompagné de Valdesson, qui s'est rapproché avec également le 10, avec également Théophilo, Valsali, blabla. Le train est plus rapide à 1200 mètres de l'arrivée. Et toujours Maria Schick qui emmène le peloton, suivi par Valdesson, qui s'est rapproché, Orjuha qui est dans la course avec également Théophilo. Yaoulidi suit maintenant en cinquième ou sixième position côté corde. Les chevaux sont aux 800 mètres. Il y a une accélération avec le numéro 1, Tiger, qui a pris la tête, suivi par le 4, Pomme, qui vient devant. Maintenant, Uri, qui se présente au centre. Uri va assez facile à 600 mètres de l'arrivée, mais toujours Tiger est en tête avec Uri, avec également le 10, Valsali. À l'entrée de la ligne droite, Tiger suivi d'Uri, avec maintenant qui se rapproche, Valdesson se rapproche à l'extérieur en compagnie de Senator Side. Et nous sommes sur le finish. Et Yaoulidi qui attaque à l'extérieur. Le Tunisien Yaoulidi attaque et l'invaincu attaque Uri. Lutte entre Uri et Yaoulidi pour la victoire. Uri qui vient de Longchamp, Yaoulidi de Kassar Saïd. Au poteau, photographie à l'arrivée. Photographie à l'arrivée entre Yaoulidi, le numéro 13, et Uri, le numéro 8. Saïban. Il y a des كان جاي تركبة أخرى يربح لا énorme joie sur l'hippodrome, car c'est le cheval tunisien Yaoulidi qui a battu tous les importés. Alors de très haute lutte, on peut le voir, il a gagné de nez. Voilà, il a tout simplement gagné nez, il n'y avait pas plus loin. Yaoulidi, c'est une joie gigantesque sur l'hippodrome. On entend très clairement les cris dans les tribunes et les encouragements pour ce Yaoulidi qui s'est imposé devant le 8, Uri. Alors je ne sais pas qui est troisième encore. Je vais essayer de demander parce que je n'ai pas très bien vu l'arrivée. Je crois que c'est Lars qui est troisième, hein, je ne suis pas certain. En tout cas, le 13, Yaoulidi, un fils de Gentle Wave, a gagné devant tous les importés. C'était le seul et unique cheval tunisien qui participait à cette épreuve de pur sang anglais. Et il s'est imposé pour la plus grande joie de non seulement bien sûr de son entourage, mais aussi de tous les Tunisiens, puisque en fait dans la tribune des propriétaires,